Ce que je recherche dans le ski alpinisme, c'est le fait de pouvoir partir en montagne, de pouvoir aller où on veut, quand on veut, à n'importe quelle heure aussi. Trouver de belles lumières, de beaux paysages, et puis être proche de la nature, faire des rencontres avec des animaux. Voilà, c'est la liberté d'aller dans les grands espaces, quoi. Ma passion pour le ski alpinisme, elle a commencé assez jeune, on va dire. Mon père faisait de la compétition. J'ai toujours été baigné là-dedans. Et après ça, il m'a amené jeune à faire du ski alpinisme, mais aussi du ski de rando. Et ça m'a tout de suite plu. J'avais l'esprit de compétition. Je faisais du ski alpin avant aussi. Et du coup, derrière, j'ai petit à petit continué sur le ski alpinisme. Le but de la saison, c'est de remporter le classement général de la Coupe du Monde. Le gros globe de cristal, ça me fait vraiment rêver. Et là, il faut être là sur toutes les courses, dans toutes les disciplines et tout l'hiver. Donc voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Donc bon, après, il ne faut pas que ce soit mon objectif principal, sinon ça devient trop dur psychologiquement. Alors c'est le but, hein, vraiment, moi c'est ce que je veux, mais si je me mets trop la pression avec ça, c'est trop compliqué, donc il faut prendre course par course. Et voilà. Et puis derrière, on voit si c'est possible. Allez, un peu plus de rythme là, allez. Tu veux que je te chronomètre ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah après, on fera 2-3 vidéos aussi. Ouais. Top. Je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices pour arriver à mes objectifs. Assez vite, moi, je me suis mis dans cette optique de mettre toutes les chances de mon côté. Tu fais attention la manip, je pense que tu peux, dans l'exécution de ton geste, il faut qu'il soit un peu plus rapide. Allez, on en refait une autre. Par passion, par cette discipline, il a su développer des capacités physiques et mentales au fil des années. Et je pense que grâce à ça, il a réussi à avoir le niveau qu'il a en ce moment. Alors attention, top! Voilà, bien ça. Alors, l'armée de champions, ça a changé beaucoup de choses, d'un point de vue, surtout, je dirais, de la récupération. Entre les entraînements, plutôt que d'aller au travail, ben, ça me permet de me faire des étirements, des automassages, faire une sieste. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu t'entraînes, finalement, ben, tu fais que te fatiguer. Et puis, si tu veux progresser, il faut se reposer. Et aussi, ben, de tenir une saison complète, pas accumuler de la fatigue. Et puis aussi, là, ça m'apporte aussi un statut social. Et du coup, bah, ça m'apporte de la sérénité. Je sais que je peux me mettre complètement dans mon sport et ça, ça me libère beaucoup l'esprit. Top. Top. 5-20. Ouais, mais là, je suis trop lent. Je peux aller plus vite. Attention. Top. J'ai d'autres passions pour m'aérer l'esprit à côté du sport de haut niveau. J'aime bien de temps en temps prendre mon appareil photo, aller faire des photos d'animaux. Ça me plaît d'essayer d'approcher doucement, de ne pas faire de bruit. Voilà. Et puis tu vis des moments assez sympas. Le Covid change beaucoup de choses. Surtout, nous, en tant qu'athlètes de haut niveau, c'est vraiment pas facile à vivre. C'est un élément qui rentre en jeu et qui est très important. Nous, ça nous impacte beaucoup parce qu'en fait, on s'entraîne toute la saison et nos objectifs, ils sont concentrés sur l'hiver et sur 2 ou 3 journées.
Et donc, en fait, si on attrape le Covid ou on est cas contact à ce moment-là ou juste avant, eh ben, tout le travail qu'on a fait toute l'année, c'est foutu, quoi. Donc, c'est dur. Hein. On va dire que je n'ai pas vraiment de routine avant les courses ou pour me préparer une compétition juste avant la course. J'écoute mes sensations le jour J et j'adapte aussi en fonction de ma fatigue. Voilà, ça dépend quelle période de l'hiver on est. Des fois, en fin de saison, un peu plus de fatigue qui arrive. Du coup, on va dire qu'à l'échauffement, je fais moins d'accélération pour garder de l'énergie pour la course. Au début, il y a une petite phase un peu euphorique du départ. On est avec les autres, on essaye de bien se placer, tout ça. C'est difficile à se concentrer sur nos sensations. Quand on est en plein dans la course, j'essaye de vraiment me concentrer sur mes sensations, de ne faire qu'un et vraiment passer un minimum d'énergie, être vraiment dans un état de concentration vraiment important. Et après, à côté de ça, il faut aussi penser à la stratégie de course, où on en est, là, quand il va falloir prendre un peu plus de risques ou moins de risques. Sur la saison de Thibaut, on peut faire un bilan très positif. Voilà, Thibaut, l'année dernière, il a explosé. Il est devenu un des meilleurs mondiaux en ski alpinisme. Et cette année, il y avait un gros enjeu, c'était réussir à confirmer ses choses faites avec un titre de champion d'Europe, 13 top 10 sur 14 courses. Donc je pense qu'on peut juste être admiratif et fier de la saison faite. Que je remporte la Coupe du Monde ou pas cette saison, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la quête et je sais qu'elle fait que commencer.